compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé. Moi j'adore. Que les fleurs ont fané. Que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Moi je kiffe. Attends. Et si tout s'appelasse Flo. Et les amours s'y passent. J'aime beaucoup moi. Bah ouais. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu aimes mon corps. Je trouverai des langues pour ce genre de chanter tes louanges. Je ferai nos bagages. C'était beau ça. Pour d'infinis vendanges, des formules magiques, des marabouts d'Afrique. Je lui dirai 100 euros pour que tu aimes mon corps. Que tu m'aimes encore. Je m'inventerai rêve pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Moi je serai. Ça va ou quoi? Aïe aïe aïe! Ça fait plaisir! Ouais! Enchanté! Enchanté! Oh le personnage! Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Dame, avec un E. Ok. Tu viens d'où? Je viens de Saint-Ouen. Ok. Ouais, ouais, ouais. 93. Ouais, je suis pas loin. On est là! Tu fais quoi dans la vie? Je suis boucher traiteur. Okay. 2017. Dame, écoute, la bonne nouvelle, bon déjà, c'est que t'as l'embarras du choix. C'était audacieux, cette chanson-là, dans cette formule-là. Audacieux où au début, on dit « Oh, il est fou, là, non, c'est pas la bonne direction. » Il y a 10 secondes comme ça pour être franc avec toi. Ouais. Et puis après, on dit « Oh là là, mais en fait, c'est charmant. » Ah, il y a des trucs super charmants. C'est ouais. Y habité, il y avait quelque chose d'hyper relâché, détaché. Et donc juste, bravo. Bravo et merci. Et garde-la, cette légèreté, elle va nous faire beaucoup de bien. On en a besoin. Merci. Grand bravo. Je me sens bien là. Tu te sens bien? Ouais. Ça me touche. J'ai adoré. Je suis tellement content de voir ça sur TF1, dans The Voice. Un truc que je trouve à mes yeux un peu hors format, libre. Pour moi, c'est ça l'art. C'est pas que propre ou un truc carré. J'ai aimé ton énergie. J'ai même aimé tes petites fêlures, tes erreurs. Tu m'as amené avec toi. J'ai eu un énorme, énorme coup de cœur. Et ah je oui. crois que il n'y en a pas aussi. Eu beaucoup, des gros coups de cœur comme ça. Là, et je serais trop heureux que tu viennes avec nous. J'ai trop kiffé. Là, j'en dépasse un peu mon énergie, mes mots. Mais bravo. Ah ouais. C'est ouf. C'est du bien. Ça c'est fait ouf. Trop de bien. C'est sincère. Hein. C'est ouf parce que la musique, ça m'a toujours habité, mais ça fait que très peu de temps où je vis avec ça. Ah je ouais? dis souvent que je suis... artiste à plein temps et artisan à mi-temps, parce qu'en fait, je suis boucher traiteur depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et en fait, j'ai connu que ça, le charbon. Mais tu vois, ça me touche parce qu'en fait, je sentais que j'avais ça au fond de moi, je l'ai taffé. Mais grave. Et en fait, tu vois, bah, pour moi, en fait, ce qui se passe ce soir, c'est un cachet. Ça veut dire, en fait, tu sais, je suis pas là pour rien, en fait, tu vois. Et c'est lourd. Donc merci, les gars. Ouais, c'est bon, ça, mon frérot. Voilà, c'est bon. On ça fait du bien. C'est du bien. Pour moi, le mot le plus représentatif de ce que tu as fait, c'est vraiment liberté. On sentait vraiment que la scène, ça va devenir ton espace de liberté. Et on ressent vraiment, plus que jamais, que ce moment où tu chantes, là où tu prends ta guitare, ben, c'est le moment où il n'y a plus de mur, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite et tu t'éclates. Moi, techniquement, il y a un truc qui m'a vraiment interpellée. Quand tu descends les notes, c'est-à-dire quand tu pars de la note la plus haute et pour aller en bas, c'est un truc de fou comment c'est
carré, juste, et comment t'as une vélocité de dingue. Et dans la montée, c'est l'inverse. Dès que tu pars du bas et que tu veux aller vers le haut, t'as tendance à dérailler. Donc voilà, juste bosser ce truc-là, mais sinon, reste libre et... De ouf. T'as quoi, la jambe ? J'ai eu un accident de moto il y a une année de ça, il fallait que je me fasse opérer. Du coup, c'est rien de grave. Les prochains rendez-vous, je serai en forme. Je pense que même, je pourrais faire des petits... Bah, vas-y, doucement quand même. Oh. C'est beau ce que t'as fait, quoi. C'est super beau. J'en ai pas vu d'autres, moi, qui chantent comme ça. Et forcément, c'est hyper intéressant. Ça, c'est vrai. C'est assez unique dans cette saison. T'es le seul qui chante comme tu chantes. Comme et ça, c'est cool. Et c'est quand même un peu ce qu'on cherche, c'est la singularité. J'ai l'impression que ce que t'avais pas en technique, tu l'avais en mental et en moral. Il y a un côté très funambule, quoi. C'est hyper intéressant quand t'es en même temps la branche et en même temps l'oiseau. Moi, j'ai trouvé ça super beau.